Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yisraq Befanit Dvora Bat Esther et Rosette Zohara Bat Sultana. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous allons vous servir à votre Perek Tet Vav. Mishnah Vav. Ha'isha Shehalcha Hi Uba'ala Limdinat Hayam. Uba'a Ve Amramet Ba'ali. Tina Sevet Itolok Tobata. Ve Tzarata Asura. Aïta Bat Israël, la Kohen. Tochal Bat Roma. Divré Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, En zo derech mutziata amide avera. Al chete asura leinase, la sura amenechol bitruma. On continue à parler du témoignage d'une femme, du témoignage pour une femme dont son mari est porté disparu à l'étranger, il est parvenu. Soit, selon la Torah, car je répète rapidement le principe, selon la Torah, pour pouvoir permettre une femme, pour pouvoir permettre Madame Arad, la pauvre, qui attend son cher mari Ron Arad depuis tellement longtemps, pour pouvoir le lui permettre de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, on ne peut pas se fonder sur des suppositions qu'il est peut-être mort, parce que peut-être qu'il n'est pas mort. Peut-être qu'en réalité, il est devenu agent secret de... On n'en sait rien. Et si on n'en sait rien, peut-être que sa femme, elle est encore mariée à lui. Et si elle est mariée à lui, on ne peut pas la permettre d'aller se remarier. C'est une échatiche, même si ça fait déjà... Mais 28 ans de cette histoire, 30 ans peut-être. D'accord? Il n'y a rien à faire. C'est bloqué. On a quelques. Alors maintenant, après, il y a de la route. On va pouvoir se fonder sur certaines situations, sur des témoignages d'une personne, sur des. Ça, on va pouvoir quand même se fonder plus ou moins. On avait appris que, malgré tout, même si on va pouvoir se fonder sur le témoignage d'une femme, même, ou de quelqu'un qui n'est pas sous l'œil doute en général, pour le témoignage du témoigné, du mari qui est mort, alors une femme, elle est crue. Mais cependant, on a vu qu'il y a des femmes qui ne sont pas crédibles, c'était dans la Mishnah d'Alet. En l'occurrence, la co-épouse. Si elles sont toutes les deux mariées à Réhouven, Rachel et Léa, deux femmes qui sont mariées à Réhouven, Rachel ne peut pas témoigner pour Léa. Ok, on a vu déjà quelques situations originales, maintenant on en a une nouvelle. Réhouven est parti avec Rachel à l'étranger, et Léa est restée ici. Ok, Rachel débarque de l'étranger et nous dit « Ouais, son mari il est mort ». Alors maintenant, Rachel, le principe, je donne le principe très rapidement. Pour elle-même, Rachel, elle est crue. Elle pourra se marier. Mais pour Léa, elle n'est pas du tout crue. Mais elle n'est pas du tout crue, alors pas du tout, du tout, du tout. Comme ce qu'on va voir dans la Mishnah, c'est le principe. Ha'isha shalchahi ubala limdinat hayam. Une femme qui est partie, elle et son mari, à l'étranger. Uba'a ve'amra met bali. Après, elle débarque, elle revient, elle nous dit que son mari est mort. Tinasevitita loktubata. Elle pourra se remarier et même prendre sa touba aussi. Tandis que Vetsarata Asura, sa co-épouse, la deuxième femme de son mari, elle est interdite de se remarier. La pauvre, elle est bloquée. Mais elle a quand même un petit avantage selon Rabbi Tarfon. Aïta bat Israël la Kohen, Tochal Mitrouma. Imaginez que maintenant, son mari, Réhouven, c'était un Kohen. Elle est bat Israël. Qu'on soit clair, vous connaissez le principe. Si elle n'a pas eu d'enfant, alors, quand son mari, on avait déjà pris ça, on était en haut, après Kalmana le Kohen Gadol, on avait appris qu'une femme bat Israël, quand elle se marie avec un Kohen, elle peut manger de la trauma. Le jour où son mari décède ou qu'il la divorce, elle ne peut plus manger de la trauma, sauf s'il lui a laissé un enfant. S'il lui a laissé un enfant, alors il reste un résidu de son mariage avec le Kohen, son fils peut lui permettre de manger de la trauma. Ok? Mais si elle n'a pas eu d'enfant, elle doit repartir dans la maison de son père, c'est fini. T'étais une Bat Israël, pas une Kohenette. Son mari, si son mari est mort, elle repart chez son père. Et elle ne mange plus de la trauma. Là, maintenant, on a une situation comme ça. Qu'il y a quelqu'un qui vient qui nous dit que son mari est mort. Son mari Cohen qui est mort. Mais plutôt, on a la co-épouse qui vient qui nous dit que son mari est mort. Et à la co-épouse, on lui permet d'aller se remarier avec quelqu'un d'autre. On arrive dans une contradiction terrible. On va la permettre d'aller se marier avec l'autre parce qu'on lui demande si tu me dis que le mari est mort, il est mort. Mais toi, par rapport à la coépouse, t'es strictement pas cru. Et si t'es pas cru, tu sais ce que ça veut dire? Ça signifie que si elle, c'est une Bat Israël, elle pourra continuer à manger la trauma parce qu'elle continue à supposer que son mari est encore vivant. C'est pas son problème qu'on lui raconte que son mari est mort. En l'occurrence, si je veux traduire ça avec Madame Arad, mais. Allez, le Nishma Arad, le pauvre. Je sais pas s'il est encore vivant ou pas. En tout cas. Si son mari, il a encore. Si maintenant, Ron, c'était un Cohen,
Eh bien, sa femme, elle continue à manger de la trauma. Tant qu'on n'a pas eu de témoignage que son mari il est mort, elle continue à manger de la trauma. Même s'il y a la coépouse qui vient et qui nous dit que son mari il est réellement mort. Elle, la coépouse, vous vous rendez compte? La coépouse, on lui dit, tu vas te marier. Pourquoi tu vas te marier? C'est que son mari il est mort. Par contre, si son mari n'est pas mort, ça signifie qu'elle est en train de faire échatiche. C'est une femme, c'est un adultère terrible à chaque fois qu'elle vit avec le nouveau mari. C'est pas notre problème. Elle est crue. Mais par rapport à la coépouse, elle est strictement pas crue, et la coépouse, elle continue à manger de la trauma. Il y a un tout ça qui me s'appelle. Est-ce que c'est même pour manger la trauma midoraita ou midorabanan? C'est possible que ce soit même permis de manger de la trauma midoraita. On arrive des fois dans l'alakha, vous savez, l'alakha, c'est. Ça fonctionne pas avec du reggae, chez du sentiment, ouais, mais je la sens pas là. Pas du tout. Ça va strict. Toi, t'as plus de témoignage, tu continues, toi, t'as eu un témoignage, tu t'arrêtes. Et ça fonctionne comme ça. À chaque fois qu'on va fonctionner avec des chazakot, avec toutes sortes de situations, on arrive des fois, c'est une vraie contradiction. T'as une femme qui va continuer à manger de la trauma alors qu'elle n'a pas le droit qu'elle la connaisse parce que tu supposes que son mari est vivant. Quand, au même moment, tu considères que son mari est peut-être mort et tu permets à l'autre femme de se marier, c'est comme ça. Ça, c'est l'avis de Rabbi Tarfon. Sur ça, Rabbi Akiva Omer, Enzoderech Motsiatamida Avera, c'est pas. Elle pourra pas. Ça ne la dispense pas de la Avera qu'elle peut être en train de transgresser. C'est pas possible de faire une situation pareille. Rabbi Akiva est cholèque sur cette situation. Et là, il veut dire quoi? Hachete Asura Leinase, Asura Melechol Betrouma. Si elle veut qu'elle ne pas transgresser, elle n'aura pas le droit de se remarier. Léa, elle ne pourra pas se remarier parce qu'elle ne peut pas se fonder sur Rachel. C'est vrai. Mais elle n'aura pas le droit de manger la Trouma parce qu'elle devra quand même craindre. Malgré tout, si de toute façon on a le Bedin l'a permis déjà à l'autre d'aller se remarier, ça veut dire que maintenant c'est une situation éventuelle au moins que le mari est mort. C'est au moins une éventualité. Par rapport à elle, elle ne pourra plus manger la trauma. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Vesela.